Hey, hey, hey! Welcome tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode du Ugly to Beauty Legacy Challenge avec notre petite famille Ugly, Cybelle, Louis et leur petite bombinette, c'est Garance et Heidi et en haut nous avons Frida qui était devenue enfant. Voilà, voilà! dans cet épisode, on va probablement avoir la naissance... Ouais, ou pas, du prochain bambino. Du prochain bambino. Non, tu vas réveiller personne, toi. Tu vas pas commencer à me casser les burnes. Et donc, bah voilà, back to... on va faire aussi les oignons, parce que sinon, ça va plus. Mais bon, on s'est plus agressé depuis un moment au niveau des vampires, donc c'est plutôt pas mal. Où nous avons notre grande fille Frida, qui s'est réveillée. Alors, on est samedi, oui, 6h30 du matin. Tu aurais pu faire la grasse mat. Je dis ça, comme ça, hein. C'est un appel. Ah oui, il y avait les médicaments de la dernière fois. Non, c'est marrant. Je vais le donner à papa. Voilà, la petite demoiselle prend son petit-déj. Ah! C'est beau la vie de gâteau au chocolat, c'est super bon. Ben oui, c'est bon. Bon, qu'est-ce qu'on va lui faire faire aujourd'hui à elle? Elle a déjà fait ses devoirs, pipi, manger, douche. Ok, bon, il n'y a rien d'extraordinaire, mais on verra bien ce qu'on fera dans la journée. Mon honnête Cybelle qui est en sale état quand même, elle a besoin de pisser d'urgence. Et elle a méga faim, méga faim. Qu'est-ce qu'il y a dans le... Dans le frigo, ouvrir. Ouh, les boulettes. Bah oui, les boulettes. Ah ouais, puis on a plein de gâteaux, parce que ici c'est... Ça n'arrête pas. C'est gâteau power, anniversaire power, toutes les... Louis vient de devenir une connaisseuse de coco. Mais dans quelle vie, de quelle quoi? Coco, elle est morte. C'est très bizarre, cette histoire. Ouais, vous voyez, le mastodonte qui est devenu si belle. Ah, qu'est-ce qu'elle a? Curieuse à propos des groupes, n'est pas... Ah, non, non, trop de travail, pas de réunion de groupe, font du Cybelle Ugly une triste cima. Bien sûr. Tu veux faire une réunion de groupe? Il n'y a pas de problème, on va en faire une. C'est ce que tu veux, apparemment. Commencer une réunion de groupe, ouais. Bah écoute, on va attendre que tout le monde soit levé, et, parce que là, oh, il y en a une... Oh, c'est bon, on va bouffer du gâteau, du chocolat. Bah toi aussi, toi aussi. Voilà, tu vas nous faire... Tu vas nous faire de la colère, Heidi. Ouf, les gosses. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah bah elle fait les ordures. Bah c'est très bien. Tu es une bonne petite. Toi, mon petit, qu'est-ce qu'il a lui? Qu'est-ce qui lui arrive? Non, 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 tu vas... Oula, attention. Tu vas nous faire... tu vas aller courir un petit peu. Pour perdre ton petit gras qui s'est installé depuis que tu es quarantenaire. Cybellette, Cybellouche. Elle a refaim. Tu vas déjà te prendre une douche, ma cocotte. Les gosses, ça va. Toi, qu'est-ce que tu pourrais faire? Ah bah, et carrément, elle... elle fait le ménage, quoi. Frida, femme de ménage, à domestique. À domicile, excusez-moi. Ok, elle, c'est bon. Tu vas te remanger un truc derrière, hein. Si ça tient que ça, lui il court, il pourra remanger derrière aussi s'il veut. Toi, tu peux faire quoi? Tu vas aller au pipi room. Tu vas aller au pipi room, ma petite. Tu vas utiliser. Tu vas te faire une petite douche aussi. Et là... Puis ouais, si tu veux, tu peux jouer. Ah, ils peuvent pas arroser les enfants. Non, ils peuvent pas, donc toi tu vas venir arroser les oignons. Parce que bon, et récolter les produits. Ouais. Histoire qu'on en ait un peu, et puis il faudra vraiment que je sache comment on fait les trucs là. Les guirlandes. Qu'est-ce que t'as, toi? T'as fait un cauchemar. Bon, et puis est-ce que vous savez. Ah non, elle sait pas, elle est sur le pot toute seule. Très bien. Tu vas avoir besoin d'un bain. D'accord. Bon, bah on va procéder ça aussi parce que. Voilà. Bon, les droits d'auteur de Cybelle ne nous rapportent pas des masses. Hein, 355.
Mais Frida, elle fait le ménage. Et je lui ai rien demandé, quoi. C'est bien, ma petite, c'est bien, c'est bien. Ah, ça lui fait monter son... ses manières, peut-être? Je sais pas trop. Mais écoutez, hein, si ça, c'est son kiff d'aller nettoyer de la maison, pourquoi pas, après tout, hein. Oh! Mais qu'est-ce que tu fous, si belle? Tu me casses les pieds! Tu me casses les pieds! Donner un bain, j'ai dit à Garance. Franchement, ça suffit. Tu vas pas commencer l'épisode à pas respecter ce que je demande. Hein. Heidi. Ouais, elle a fait dans sa couche déjà. Et bon, elle va commencer à puer la mort. C'est bon à savoir. Mais, en fait, elle a juste. Elle est juste en train de péter, qu'est-ce que... Ah oui, d'accord, son hygiène descend en flèche! Cybèle, putain, bouge ton cul! Allez, dépêche-toi. Ça m'énerve ce truc-là, ça reste dans mon champ de vision, ça devient un petit peu lassant. Ah! Elle est en train de faire une connerie! Mais tu m'énerves! Tu vas ranger ça? Saloperie! Allez! On veut pas de peinture à la maison, sauf si c'est en sur un chevalet et que ça nous rapporte du pognon, bien sûr. Faut pas déconner non plus. Bon, t'arrêtes avec ton bain, Cybèle, ou comment ça se passe? Cela, il va falloir que tu t'occupes de Heidi maintenant, parce que Heidi, elle pue aussi du... Elle pue aussi de la couche, quoi. Donner un bain à... Arrête! Oh là là! Viens, ça en a foutu partout, c'est pas grave, c'est Frida qui ira nettoyer. Frida, ça y est, elle a nettoyé là. C'est très bien. Si tu veux, tu peux jeter aussi les assiettes. Ça nous fera des pognons en plus. Elle est en colère, hein. Heidi, vient de nous faire une crise de nerfs, là. C'est ça, de leur donner du sucre à ces gosses. Oh, et elle peut pas. Non, mais vous me saoulez, quoi. Vous me saoulez, les Sims, hein, quand même. Vas-y, raconte une histoire. Et puis va remanger. Putain, elle va devenir mais obèse, Cybèle. Strictement obèse. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ok. Bah, toi, tu manges, c'est bien. Puis après, on va te refoutre à la pêche un peu, mon gars, parce que voilà, ça fait un moment qu'on t'a pas fait pêcher. Tu as pêché avec un appât. Ah tiens, on va pêcher avec de l'ail. Je suis pas trop sûre de ce que ça va ramener, mais une grenouille, oui. D'accord, un poisson loup. Moi, je tente, hein, tiens, des fraises. Et puis, on va essayer avec un poisson rouge. On verra bien ce que ça donne. Bon, alors, au lieu de regarder la télé, Cybèle, tu sais ce que tu vas faire. C'est ce qu'on s'est dit au début de l'épisode. Tu vas commencer la réunion. Oh my god! Brunhilde et Adélaïde sont vieilles. L'angoisse. Quelle horreur! Mais quelle horreur! Oh my god! Oh my god! Voilà, elles sont vieilles et dégueulasses. Ah oui, c'est vrai, j'avais dit de faire du jardinage, faire du basket, être drôle, raconter des blagues et être amicale. Bon. Comme ça, ce sera fait? Allons voir les vieilles peaux! Aïe 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 aïe! Oh là là, ça va tellement vite dans ce jeu! Regardez-moi Brunhilde. Bonjour, Adélaïde. Oh, quelle horreur. Oh, quelle horreur, elles sont dégueulasses. Tiens, tiens, Enguerrand. Mais non, de toute façon, il sera pas vieux. Ah, il y a l'église qui sonne. C'est rigolo. Je vois pas où aller, mais c'est marrant. Qui es-tu, toi? Qui es-tu, toi? Chingo Sakamoto! En même temps, on n'a plus besoin de trouver un homme en ce moment, mais. Ah, c'est le chien qui s'appelle comme ça? J'ai pas compris. Mais le chien et le mec, ils ont le même nom. What the fuck? Tiens, va lui faire un petit coucou à ce chien-là.
C'est vrai que j'avais dit qu'on allait adopter. Mais on peut pas adopter comme ça dans la rue, donc c'est un peu stupide. Qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, Frida, tu sais pas quoi faire? Du lait? Mais. Oui, alors, ok. Non, c'est buggé. Super. Ah si, non, c'est bon. Ah! Ah! C'est bon, tu vas jeter. C'est déjà pas mal. Ah, si belle qui s'amuse avec le chien qui pue la mort. Qui a des puces et des. Non, c'est pas des puces, c'est juste des mouches. Après, s'il appartient à personne, le chien, why not, quoi? Mais bon, je suis pas sûre qu'on puisse adopter comme ça, en fait. Hors d'après, au pied. Ah ouais, il connaît des trucs, quand même. Promener. Oui, il est sympa, ce chien! Il est pour être tout entretenu, hein, si c'est le chien du mec, là. Genre, le mec, il a tellement d'ego qu'il appelait son chien pareil que lui, quoi. C'est un chasseur. Très bien. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux... vas-y, caresse-le. Félicite-le. Demande à faire ses besoins. Proposer son amitié. C'est tellement mignon. Les interactions avec... Oh! Une bête plein de vaches. Marcher dans le caca! Oh punaise! Énorme! Marcher dans une crotte d'animal! Mais ça porte bonheur, Cybèle! Marcher dans une crotte d'animal! Burke, c'est dégoûtant! Les maîtres qui n'arrasent pas les crottes de leurs animaux sont les pires! Excellent! Oh, par contre, Daria, elle est fat! Oh! Elle a grossi de ouf! Ah, elle fait des câlins à tout le monde. Allez, partage la grande nouvelle. Proposer de toucher le bébé. Enfin, ah, du coup, ouais, elle va grandir, elle va vieillir. Ah, bah non, parce que dans 5 jours, elle devient juste adulte, Cybèle. Mais bon, comme elle a été. Elle a eu plusieurs grossesses, ça ralentit un chouï, quoi. Elle est quand même très très choupinette, notre petite fauve. Elle a du style! Elle est mignonne. Petite discussion entre sœurs. Tu peux... Non, bah non, toi, tu en lasses pas, parce que sinon ça va te faire lever. Vous êtes mignonne comme ça, s'enthousiasmer à propos des centres d'intérêt. Racontez-moi... Bon, c'est trop tard. Le contenu doit être grossière. Se plaindre de la crotte d'animal. Ah, ouais, punaise, Louis, il arrête pas d'attraper des conneries. Oh là là, ma petite, mais te laisse pas crever de faim, hein. Viens manger. Elle est partie dormir. Ah, c'est cool. Par contre, elle devrait peut-être lui apprendre à aller au pot. On va faire apprendre à aller au pot à Heidi. Bon, bah, trop tard, puisqu'elle fait dans sa couche. Garance a très faim. Mais oui, mais je t'ai dit, va manger. T'es bête ou quoi? Bon, alors, si personne... Mais va manger aussi, toi, si t'as faim. Mais oh. Genre, elle est fatiguée. T'as qu'à pas te lever aux aurores non plus, hein. Cybellette! Cybellette, tu vas faire ton pipi avant que... Voilà. Non, mais c'est pas grave, hein. Va pisser. Et après, tu vas apprendre à aller sur le pot à Garance. Parce que, bon, vu que l'autre, elle a fait dans sa couche. C'est tendu, quand même, hein, tous ces gosses, là. Éducation et tout, là, franchement. My God, Frida a terminé l'aspiration en fonds social. Mais je l'ai même pas fait exprès. Mais non. Mais quel est le fuck? Pas de compris. Je sais pas. Il y a un truc qui va pas, je crois, dans l'histoire. Mais bon. Oh là là, le bordel. Vas-y, va ranger tout ça. Tu vas analyser un bouquin. Tiens, ça te fera du bien. Bon, super Cybèle, hein. Là tu me saoules un peu, tu fais absolument pas ce que je t'ai demandé de faire, mais c'est pas grave, hein. On va pas commencer à se formaliser là-dessus. Tu m'agaces, c'est tout ce que j'ai à dire. Tu vas manger le plat qui traîne par terre. J'arriverai jamais à faire apprendre les trucs aux gosses, moi, c'est pas possible.
Va se pisser dessus et tout. Oh, franchement, c'est... Ça me saoule, hein. Ça me saoule. Est-ce que ça... Ça ne nous donne pas de sous. Eh ben, tu ne prends pas les assiettes derrière. Commence pas. Ouais, puis il y a le truc, il va toujours pas. Lui, il pêche. Il est content. Tout va bien. Ok. Et puis il pêche ouais, des trucs qui valent pas forcément le coup. Oh, tiens, tu vas arrêter de pêcher vu que t'as plus de. T'as plus de. D'appât. Ok. Et toi, tu vas aller aussi après faire pipi. Une assiette, c'est pour moi ça. Hop. Clac. 56 pouces parce qu'ils sont 5 pour l'instant en tout cas. Tu vas pas jouer au basket alors que t'es enceinte, ma grosse. Foyer, nous allons adopter un chien encore une fois. C'est pas comme si on n'avait pas tout ce qu'il fallait en fait. Bon, arrête avec tes câlins. Et on va adopter un chien qui va succéder dignement à Coco. Nous ne savons pas. Réponse dans quelques instants. Et alors, nous avons tout ça. Oh, Fiona. Elle a des beaux yeux bleus, adulte femelle, Archimède, excellent. Fox terrier à poils lisses, castré. Tammy Rottweiler, stérilisé. Bondi. Zoé. C'est un chiot. Est-ce qu'on prendrait pas un chiot? Ouais, Loki. Oh, il est choupinou lui aussi. Fait un peu peur, mais j'aime bien. Choupette, chiot femelle. Diva, chiot femelle. Chiot mâle, Pudley. Comment on peut être chiot et stérilisé? Ouais, enfin, peut-être, c'est possible. Doki, chiot mâle. Ruby, chiot femelle. Tommy, chiot mâle. Chien d'eau portugais. Ça, c'est quoi? Lévrier irlandais. J'aime bien Welsh Corgi Cardigan. Cardigan. Cardigan, c'est un gilet, quoi. C'est un chien qu'on prend pour faire des gilets ou quoi? Ouais, mais elle est adulte. Ouais, je sais pas. Est-ce qu'on prend un chiot? On va prendre un chiot. Allez, on va prendre Loki. On verra bien. Alors, la voilà, la dame. Oh mon Dieu! Le petit machin! Oh my god! Oh my god! Il est trop chouchou! C'est beaucoup trop mignon! Il est beaucoup trop mignon! Ah, bah, on va avoir un nouveau chien à la maison, c'est cool! Bon, arrête de t'occuper de tes gosses, Cybèle. On a un chien là, garde un petit bébé. Un petit bébé chien tout mignon. Oh! Il est trop chou! C'est trop marrant. Alors, est-ce que ça se passe bien là? Ouais, elle a l'air colère, hein. Elle est tendue, elle est pas colère, elle est tendue. Mais regardez-moi ces petites choses! Oh, c'est trop mignon! C'est beaucoup trop mignon. Ouf! Oh, il est tout petit! C'est trop chou! Compétence 8 pour Louis, quand même, en pêche, c'est pas mal. Et donc, Cybèle va attraper, parce que je lis attraper un poisson. On adopte! Oui, Loki! Loki Ugly, bien sûr, puisque c'est la famille Ugly. Oh, il est trop chouchou! Il est beaucoup trop mignon! Félicitations, vous avez ajouté un animal à votre foyer. Tu vas pouvoir remplir la gamelle. Et Loki, voilà, notre petit Loki fait partie de la famille désormais. Oh là là! Ah, tu arrêtes de piquer une crise. Maman, maman, on va faire de l'éducation là, parce que ça va plus. Éducation définitivement. Ferme, ne pas de faire de crise de nerfs, saloperie! Hélère! J'ai que je bordel ici! Oh Dieu! Sinon, il y a ferme, c'est quoi? Montrer sa déception. Contrôle les émotions, plus plus. Mais t'as pas déjà bouffé, si belle? Mais t'es sérieusement, t'es un gouffre. Tu es un gouffre. Vas-y, prends une portion. Maman, alors, les gosses, comment ça se va? Parce que moi, j'étais à fond sur le bébé. Tu vas faire une sieste. Ouais, mais elle. Ah, tu veux? Vas-y, demande aide pour le pot. On va demander
À Enguerrand. Apparemment, elle ne connaît pas les autres. Oui, c'est possible qu'elle ne connaisse pas les autres. Les deux autres, elles dorment. Toi, soit tu vas te réveiller parce que sinon, tu vas la babiller, tu vas caresser avec Loki. C'est après, elle va pas dormir. Ah oui, 23h30. Oui, d'accord. C'est un peu tard quand même pour des enfants. C'est trop mignon! Garance et Loki qui font connaissance. Par contre, Garance, c'est le pu du cul, quoi. Garance, c'est le pu du cul. Alors, voilà, machin. Et toi, bah, tu vas. Ça, elle est colère. Ah non, elle pète, en fait. Ouais. C'est bientôt l'anniversaire de Garance! C'est bientôt l'anniversaire d'Heidi! Ah, elles vont pas grandir là, quand même, si? Franchement, oui, il y a moyen quoi. Bon, de toute façon, là je pourrais très bien arrêter l'épisode, mais je vais le continuer quand même un peu. Parce que je veux la naissance en fait. Et la naissance, 3h13 en 7h. Ok, très bien. Donc on va aller faire aller se coucher et tout ça, et puis ça ira plus vite. Waouh, Louis, elle a attrapé un poisson de type fugu. Donc c'est assez sympa, puisque le fugu c'est le machin là pour qu'on puisse tuer. Si on n'a pas la compétence cuisine et compagnie, tu vas manger. Tu vas ouvrir un truc, je sais pas. Tu vas prendre des boulettes. Ça me donne faim, tout ça. Faire entrer Louis, parce que là, il a passé la journée entière à pêcher, donc c'est pas cool. Bon, alors, tout le monde est un peu naze. On va mettre fin à la réunion. Hop! On va voir si on a gagné des points. 377. Et puis ma petite Cybelle, tu vas aller pipiter et tu vas aller dormir. Parce que là, il se fait tard pour un peu tout le monde. Clac. Elle, qu'est-ce qu'il fait? Elle s'est tombée dans les pommes. Très bien. Et puis toi, bah, t'iras dormir. C'est parfait. Tout le monde au lit. Et Louis qui fait que revenir maintenant, lui, tranquille. Il va manger. Et puis à se coucher. Non mais vous pouvez vous barrer, la réunion est finie, hein, les filles. Ouais, bah elle va se faire dessus parce que ça n'a pas fonctionné, ça m'agace. Fais voir toi la réunion. Ouais, on n'a pas gagné de points, donc c'est super. Merci les Sims, c'est génial. Mais non, Loki, non Loki, non Loki. Gronder pour avoir aboyé. Allez, vas-y. Si, si. Ah non, ah, commence pas. Grondé pour avoir aboyé. Viens là. Ah, ça m'énerve là. Pourquoi ils savent pas. Sermonner à propos de. Oh, mais tu me casses les couilles. Allez. Il est trop mignon ce chien. Mais arrête, sérieux. Mais pourquoi ils y arrivent pas? Ça m'agace. Vas-y, va derrière, j'en sais rien, mais ça suffit. Oh, tu m'agaces. Vas-y, chasser, non. Mais pourquoi ça fonctionne pas? Proposer son amitié. Bah, il s'aime pas, ça y est. Ça commence bien. Mais viens ici, sale chien. Grondé pour avoir aboyé. Il est trop chou, regardez comment il court. C'est beaucoup trop mignon. C'est vraiment beaucoup trop mignon. Moi, je suis fan de ce petit chien. Ah bah voilà, là, ça va fonctionner. Voilà, ça va mieux. On est des meilleurs copains. Oh, le bug. Bon, allez, Louis, tu me. Vas-y, tu vas te coucher rapidement, comme ça on est tranquille pour la nuit. Allez, bonne nuit, Louis! Bonne nuit, Louis! Bonne nuit, Louis! Non, mais alors, Frida, quoi. Elle se lève tous les jours plus tôt, quoi, la meuf. Va falloir te trouver une activité, ma petite. Hein. Ça va plus aller comme ça. Hein. Bon, alors, on va faire lever notre Louis. On va lui faire prendre une doudouche. Et on va le faire. On va le faire donner un bain à Garance parce qu'elle pue. Elle pue le cadavre, vous voyez, hein? Là, on n'est plus à la mort, on est au-delà de la mort, on est au terme de cadavre. Mais t'as pas pris ta douche. Mais mec, prends une douche. Ne me casse pas les burnes.
Oh, et le petit, là. Demandez à faire ses besoins, voilà, on va éduquer. Il y a de l'éducation à faire, moi, je vous dis. Entre le chien et les gosses, on n'a pas fini, quoi. Cybellette, elle fait sa petite douche et son petit pipi. Elle a déjà reladale, c'est pas possible alors qu'elle vient de manger. Frida, tu vas aller aux toilettes là-haut, tiens. Il n'y a personne qui vit là-haut pour l'instant. Il n'y a pas grand-chose. Utiliser. On a des droits d'auteur. Et tu vas ensuite aller faire un peu de bénévolat. Ça va t'occuper. Prendre un jour de congé. Prendre un selfie. Ah, tu peux pas. Ouais, je sais pas comment ça fonctionne. Ah, on est obligé d'y aller. On peut pas y aller toute seule, en fait. Toi, t'as fini. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas réveiller Chouchoute, là. Tu vas la réveiller, parce qu'elle pue. La décomposition. Lui, il a été faire son petit pipi caca, Loki. Bah, c'est parfait. Ah non, il y a un truc qui est pété. Oh, mais non! Non, tu vas pas jouer fléchette, là. Tu te fous de moi. Tu vas réparer. Oh, et tu vas réparer ça aussi en même temps, parce que là, c'est bon. Tu vas pas me casser les burnes. Louis, qu'est-ce que t'es en train de faire? Tu la regardes, bah, c'est bien. Mais tu vas la laver surtout. Tu vas donner un bain. Donner un bain à Loki, non. Donner un bain à Garance. Là, ça va plus. Bon, d'accord. Ça ne veut pas. Ça m'angoisse. Ça me gonfle et ça me saoule. Bain, voilà. Ça, c'est elle qui réclame. Et il y a moins de problèmes dans la vie. Ok, toi tu vas réparer. Mais elle a déjà faim. Non mais c'est pas possible. Je vous le dis, c'est pas possible. Il y a un qui fout ça dans cette baraque. J'en ai marre. Allez, c'est bon. Tu vas. Le chien, barre-toi de là. Mais il boit de l'eau dans. Non mais c'est pas possible. Mais il est dégueulasse. Est-ce que toi tu peux éduquer le chien? Voilà, tu vois, il va éduquer le chien un peu. Ça, moi c'est fait. Voilà, tout le monde est occupé, ou presque. Est-ce que tu peux réparer? Demander de réparer. Non, tu peux pas. Heidi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dort, elle est pas trop relou pour l'instant. Il faudra qu'elle mange après. Un peu à peu près comme la moitié de la planète. Mais regardez-moi la tête de Louis, quoi. Puis il regarde sa femme, il fait... Alors non, il a pas envie de la tuer, hein. Il est juste en mal d'amour. Et franchement, avec un screen comme ça, on pourrait croire qu'il a juste envie de la tuer, quoi. Un serial killer. Ah bah dis donc, Loki, il est glouton. Ah bah oui, c'est vrai, moi je connais pas, c'est... On connaît pas. Ah, ça y est, mon dieu, c'est déjà les anniversaires. Oh my god, on a le temps de rien ici, moi je te dis. Hein. Alors, ici, est-ce bordel, là? Ah ouais, ça me revient, ça, des élans ch'tis qui reviennent comme ça. En attendant, moi je vais vendre un peu les poissons qu'a dans son inventaire Louis. Mais de fond là, je vais la garder. Alors il a eu quand même 3 jouets. On va en mettre un. Je sais pas où il est, mais il y est. Les poissons arc-en-ciel 106, 109. Celui-là, on va l'empailler. Et celui-là, on va le vendre. Toc toc toc, 29. Les verrons, on s'en fout. Ça, on vend 11, bah, c'est pas terrible, hein. Tu nous as pas habitués. Enfin, si, voilà, enfin, tu peux faire mieux quand même, je pense, Louis. Mais on gagne du pognon, vous voyez, on remonte déjà à 5000 simflouz. Tac tac, hop. Celui-là aussi, 90, ouais. Et celui-là, on va le mettre dans la maison. Voilà. Ah, il est beau. C'est un beau poisson. Voilà. Comme ça, lui pourra admirer son travail, sa pêche. On aura un souvenir de Louis comme ça. Ad vitam aeternam dans la maison. Oh là là, ça y va, là, les bêtises. Hein. La jolie petite famille. Ah merde, il a déjà bouffé le gâteau. Ah, je vais les tuer, ces Sims. J'en ai marre qu'ils bouffent le gâteau tout le temps. Alors, tu vas faire quoi comme gâteau? Un gâteau aux fraises, ouais, c'est pour tes filles. Allez, oui, puis si j'appuie pas sur play, j'aurai du mal. Mais non, mais j'en ai marre, ils bouffent toujours les gâteaux. C'est l'anniversaire des petites, là, ça me l'a dit. Et puis,
Et puis elle clignote, donc faut vite le faire. Donc dépêche-toi, Cybèle, refais un gâteau parce que ton mari, il a tapé dedans. Ça commence à... Ça, c'est chiant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Comme ça, Garance et Heidi vont grandir. On va pouvoir découvrir leur bouille. Qu'est-ce que t'as, Cybèle? Non! Oh! Reprendre gâteau aux fraises? Non mais sérieux, c'est quoi ce bordel? Ah non, il n'y a rien qui fonctionne, j'en ai marre. Tiens, tu peux réparer du coup le frigo s'il te plaît. C'est de ta faute ça aussi. Parce que si j'avais pas, si t'avais pas bouffé le gâteau, t'aurais pas... Cybèle, elle aurait pas refaire le gâteau et on n'aurait pas à casser le frigo. Et lui, il se roule dedans, mon dieu! Mais non quoi! Allez là, Loki. Qu'est-ce que tu fais comme connerie? Sale chien. Oh, il est trop mignon. Il est beaucoup trop mignon. Oh, attention, attention, attention. Le gâteau, le gâteau. Pause. Hop là. Les bougies. Oh, attention. Oh, alors là, on a encore gardé. Mais c'est... Ah oui, j'avais laissé les cheveux. Non, mais je crois qu'ils vont tous avoir les cheveux. Elle était curieuse et elle a un partout. Donc, bon, alors on va foutre créativité, on s'en fiche. Et par contre, en trait. Ok, je savais pas qu'on pouvait être zombie. C'est un mode, bah, je devrais l'enlever quand même. Parce que là, je l'utilise pas en fait. Elle va être zombie. on a mis sa sœur, rat de bibliothèque. On peut la mettre soignée. Délicate, gloutonne, folle, klepto, paresseuse, amoureuse et chat. Et c'est vrai que j'ai vu que j'ai un nouveau pack qui apporte ça. Les gars, dans les armes, les bestioles dégoûtantes, des sims sont en train de vomir, de la violence ou un décès. Ces sims sont mal à l'aise et qui sont proximité de quelque chose de sale. Très bien, et ben on va mettre ça. On va mettre sur pause tout de suite. Toi, tu vas remettre tes bougies, hein. Avant que ça bug, qu'il y ait un problème. Par contre, elle a des cheveux avec des mèches. D'accord, d'accord. On est sauvés. Et tu vas refaire la même chose pour Heidi. Et on verra la bouille qu'elle a. Ouais! Youhou! Oh là, d'accord. Et Heidi! Oh, créativité, bon, on va la remettre aussi créative. Et comme elle avait 2 points créativité, qu'est-ce qu'on peut... Oui, mais elle aimerait anarchiste aussi. J'arrête avec mes modes, moi, quand même. Geek aime la musique. Ah bah tiens, aime la musique. Allez. Et voilà, les jumelles ont grandi. Bah du coup, tu vas pouvoir aller te laver. Et toi, et bah c'est bien, c'est super. Vive la vie! Lucie envoie un cadeau. Frédéric, Brunil et compagnie, c'est super. On a Loki, en fait, qui est chasseur. Alors, j'ai demandé à Louis de l'envoyer chasser. Je sais pas du tout ce que ça va faire. On verra bien. Peut-être qu'il va nous ramener des trucs, hein. Ça pourrait être sympa. Ouais, par contre, vous êtes un peu buggé ou me trompe-je? Ok, c'est super, merci. Allez, c'est bon. Demande-lui de chasser, là, je sais pas quoi. Voilà, envoyez chasser. Envoyez votre chien explorer les lieux et trouver des choses intéressantes. Voilà. En tout cas, c'est bug eye. Ah, ça y est. Ça y est. Il va aller chasser. Bon, Cybèle, est-ce que tu es sur le point de... non. Cybèle, elle est à fond, là. L'accouchement, il va être finalement prévu pour le lendemain. Donc, je pense pas que... qu'on va le voir dans cet épisode, ce sera pour le prochain. Comment ça, la porte est fermée? Mais tu sais pas ouvrir la porte, chien? What the fuck? On va chercher, je sais pas. Il est trop petit pour faire ouvrir la porte, petit pépère. Bah alors, on n'est pas dans le caca, nous, je te le dis, hein. Bon, en tout cas, ça grouille de partout dans cette baraque. Il y a de plus en plus de monde, n'est-ce pas? On a 3 filles-enfants. On a des autres qui sont dans le four. Filles ou garçons, j'en sais rien. On verra bien.
Je sais plus si j'ai fait manger des fraises, je pense pas. Donc, à voir. Et puis, ce sera la surprise. Et puis, je vais relooker aussi les filles. J'y pense, du coup, avec vu que papa il est en forme. Faire du bénévolat. Voilà, il va prendre les filles et ils vont aller faire du bénévolat. Alors, une vente de gâteaux, nettoyage de plage, faire du bénévolat à la maison de retraite, faire du bénévolat, groupe soupe populaire, initiation contre une maladie. Oh, bah, je pense que la maison de retraite, ils vont être contents de voir des enfants comme ça. Comme ça, Cybèle, elle est toute seule à la maison. Ouais, bah, tu me gaves. Et tu vas écrire un bouquin. Un bouquin pour enfants, vu que tu es très inspirée par les enfants en ce moment. Et ça nous rapportera un peu de thunes. Ah! Mais il peut sortir, Loki! Oui, on s'en fout du titre. Ah, petit Loki! Oh, le petit PPAO! Ah, donc, il y a aussi des interactions pendant le bénévolat. Frida tombe sur deux Sims âgés se disputant à propos de la chaîne de télévision. Oh, regardez. Comment doit-elle résoudre ce conflit? Choisir une autre émission, détourner leur attention. On va détourner leur attention! Frida essaie d'interrompre les six âgés en leur posant des questions, mais ceux-ci semblent choqués de l'avoir s'immiscer dans leur conversation. Eh ben zut alors! Et what? Elle a perdu des bonnes manières, on n'interrompt pas la conversation. Oh là là! Mais what? Oh my god! Pourtant elle avait des bonnes manières et tout! Oh, ça m'énerve! Oh, ça m'énerve! Ça m'énerve! Le bénévolat, c'est amusant et cela forge le caractère. Et puis, c'est bon de faire quelque chose pour les autres. Voilà, ils sont tous revenus. Oula, 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 qu'est-ce que t'as foutu? Obligé d'aider les autres, faire du bien. Ah ouais, il est méchant. J'avais zappé. Oh là là, il est colère, hein, Louis. Est-ce que tu veux faire caca en étant en colère? Ah non. Oh, il peut pas faire caca en étant en colère. Bah, je suis déçue. Ah là, je suis déçue, là, franchement. C'est pas rigolo. Bon, alors, Sibel est partie dormir. Qu'est-ce que t'as, toi? Ouais, bah écoute, fais ta life. Tac, tac. Eh non! Faites pas votre life, là, les filles, les nouvelles filles de la maison. Devoir! Eh, parce que école. Dès le prochain épisode, c'est école, donc on gueule pas. Et on bosse. Il y a que Frida qui, elle a déjà fait ses devoirs. Mais Frida aussi va pas dormir tout de suite, meuf. Tu peux aussi, tu vois, bah, tu peux aller aux toilettes. Ouais. Bon, il est un peu. Ça va. Non, puis après, tu pourras aller dormir. Bon, c'est un petit peu bugué quand même, hein, parce que là, t'as l'ordinateur et elle fait ses devoirs par-dessus. Bon, tout va bien. Lui, il est en train de lire un livre pour se divertir. Ok. Chat, tu peux aussi aider à faire ses devoirs à ta fille. Histoire que tu sois pas aussi inutile que ça, mon petit. Et t'iras ranger le bouquin. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est plutôt pas mal, ça me plaît. Bon, mais Louis est parti dormir. Elle va aussi aller dormir. Ben oui, mes cocottes. Vas-y, hein. T'es crevée là. Oh là là, le look. Oh le look. What the fuck? Et voilà. Donc je vais mettre au ralenti. Ah ben lui, il est parti dormir. Sur le perron, tout va bien. Donc la famille dort. Et je vais vous laisser ici pour cet épisode. Alors désolé, il n'y aura pas eu la naissance, ce sera pour le prochain. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Allez, salut!